SQ dispose de 8 emplacements rack et fixe, auxquels il est possible d'accéder en appuyant sur la touche FX sous l'écran. Touchez l'un des emplacements sur la partie gauche pour afficher l'effet chargé. En sélectionnant n'importe quel emplacement, appuyez sur la touche Library pour afficher une sélection de presets qui emploient les différentes unités rack et fixe. Sélectionnez un preset et appuyez sur Recall pour charger l'unité d'effet et le pré-réglage dans l'emplacement. Pour changer n'importe quel paramètre de l'effet, appuyez simplement sur le paramètre à modifier à l'écran et utilisez le rotatif de l'écran pour l'ajuster. Avec la configuration par défaut, les 4 bus de mixage d'effets sont patchés sur les entrées des 4 premiers emplacements. Les autres slots peuvent être insérés directement dans les canaux ou les mixages, ou envoyés à partir des mix libres et renvoyés sur les retours d'effets dédiés. Dans cet exemple, nous allons insérer un chorus sur le canal 48 en allant sur le panneau arrière de l'effet, en chargeant le canal et en appuyant sur Apply. Envoyer des canaux à l'un des 4 bus d'effet fonctionne de la même manière que l'envoi à n'importe quel mix. Appuyez sur l'une des touches de mix FX bleu pour afficher les niveaux d'envoi à ce mix sur les faders et utilisez la tranche master pour ajuster le niveau d'envoi général. Par défaut, le mix FX numéro 3 alimente l'unité d'effet 3 et il est possible d'envoyer plusieurs canaux à cette unité d'effet en pressant la touche de mix FX 3 et en montant les faders. Les retours d'effet stéréo peuvent être employés de la même manière que n'importe quel canal d'entrée et routés avec des niveaux différents vers n'importe quel mix. Les 8 retours d'effet stéréo correspondent aux 8 emplacements FX, donc la sortie de cette unité revient dans le retour d'effet 3. Pour envoyer le retour d'effet au mix principal, il suffit d'appuyer sur le bouton de mix LR et de monter le fader de retour d'effet. Vous pouvez maintenant envoyer ce retour d'effet au mixage 5 par exemple. Appuyez sur la touche Mix 5 et augmentez le niveau d'envoi dans ce mixage.